Savez ce qui m'est arrivé récemment? J'étais en train de tailler un morceau de bois. Mon pianiste vient et me dit, voulez-vous me passer ce bout de bois, s'il vous plaît? Je lui dis, auquel des deux bouts? Il me dit, je vois qu'un bout de bois, il n'y a qu'un bout de bois. Je dis, parce que vous vous exprimez mal. Parce qu'un bois, ça a deux bouts. Il ne faudrait pas dire le bout de bois, mais les deux bouts d'un bois. Alors il dit, les deux bouts d'un bois. Il me dit, d'abord, ça sonne curieux. On entend les deux boudins, comme ça. Alors, on ne sait pas si ça signifie le bout de bois ou le bout de boudin. Enfin, mais écoutez, ne plaisantons pas. Mais ne plaisantons pas. S'il s'agissait de bout de boudin, on dirait les deux bouts d'un boudin. On ne dirait pas les deux bouts d'un bois. Bon, enfin. Il dit, j'ai toujours appelé un bout de bois, passez-moi ce bout de bois. J'y passe ce bout de bois, il prend le bout, il tire dessus, il me dit, lâchez l'autre bout. J'y voyais bien qu'à deux bouts. Alors il me dit, bon, puisqu'il y a deux bouts, il casse le bout de bois en deux, il me dit, gardez ce bout-ci, moi je garde le bout-là, ça nous fera chacun un bout. Je dis, non, ça nous fera encore chacun deux bouts. Vous avez compris ça? Si vous cassez deux bouts de bois en deux, il y a toujours deux bouts à chaque bout. Pour casser les bouts en petits bouts, tout petits bouts, il y a toujours deux bouts à chaque bout. Toujours. Un bout, c'est irréductible. Vous pouvez pas supprimer le bout d'un bout. Ou alors, faut supprimer le bout entier. Bon. Prenons un bout de truc. Bon, vous coupez le bout du truc, il reste un bout au bout du truc. Bon, prenons un bout de machin alors, parce que c'est le truc. Peut-être que c'est le truc qui vous gêne, c'est possible. C'est possible que vous n'ayez pas un truc. Bon, mais si c'est le truc qui vous gêne, on prend un bout de machin, pour moi c'est pareil. On prend un bout de machin, vous coupez le bout du machin, il reste un bout au bout du machin. Vous pouvez prendre mon raisonnement par tous les bouts, il se tient. Prenons un bout de fil du téléphone. Vous coupez le bout, il y a encore quelqu'un au bout du fil. Je sais plus quoi dire, c'est tellement simple. Prenons un bout de bambou. Vous coupez le bout, il reste dedans. J'en ai marre d'être debout. Les gens dans la salle ont compris, eux. Regardez, vous prenez... Allez dans la salle. Vous prenez un bout quelconque. Je peux pas aller plus loin dans les concessions. Vous coupez le bout comme ça. Bon, vous avez un bout avec deux bouts qui tombent là. Tac! Vous avez un bout avec deux bouts qui tombent là. Bon, ici, il vous reste un bout. Bon, l'autre bout est coudé. Mais enfin, c'est quand même un bout. Ça fait donc un bout. À chaque bout, ça fait donc deux bouts par bout. Ça y est, vous avez compris. Ça y est. Je sens que ça y est. Bravo. Bravo. C'est bien. C'est bien. Ben, expliquez-nous. Bon, ben, vous prenez un bout. Vous coupez le bout. Ben, vous avez un bout avec deux bouts qui tombent, là. Il vous reste un bout là. Et normalement, un bout là, ça fait un bout à chaque bout, deux bouts par bout. Vous avez compris? Vous pouvez bavarder entre vous, hein, parce que on n'est pas au bout de nos peines, là, alors. Bien, vous prenez un bout, vous coupez le bout. Vous avez un bout avec deux bouts qui tombent, là. Il vous reste un bout là, normalement un bout là, un bout à chaque bout, deux bouts par bout. Vous avez triché. Le bout qui est là, il est à moi.